sympa de m'aider, Elliot. Je comprends rien en maths. Et mes parents, ils n'ont jamais le temps. Mon père voudrait m'aider, mais je suis trop forte. Meilleure que lui, ça le déprime. Et tes chemises, tu peux te la passer tout seul. Je suis pas ta bonne. Elliot, tu m'expliqueras les maths un autre jour. J'ai un truc de prévu. J'ai promis à ma maman de l'aider pour les courses. Hein? Mais Marie, le contrôle, c'est demain. Tu es sûre que tu veux réviser seule? C'est gentil de t'inquiéter pour moi. Je t'appelle si j'ai besoin d'aide. Ça suffit! Arrêtez de vous disputer tout le temps! Et quand on est arrivé, ses parents se disputaient! Tous les parents se disputent de temps en temps. Mais Marie est à bout! Je l'ai vue pleurer dans sa chambre! Faut faire quelque chose pour l'aider! C'est pas évident! Je vois pas ce qu'on peut faire! On va les empêcher de se disputer! C'est gentil, mais je vois pas du tout de quoi vous me parlez. Hier, j'ai vu tes parents se disputer. C'est pour ça que tu ne voulais pas que je vienne chez toi. Écoute, Marie, faut pas avoir honte de ça. C'est pas de ta faute. On veut t'aider, nous. Avant, on faisait plein de trucs tous les trois. Et on rigolait bien, c'était vraiment chouette. Et d'un coup, mes parents se sont mis à se bagarrer. Et maintenant, c'est plus comme avant. T'en fais pas, on va arranger ça, Marie. Vous connaissez pas mes parents. Votre plan marchera jamais. Tiens, si tu te rappelles encore à quoi ça sert. Petit. Des gants? Tu veux que j'en fasse quoi? Ça y est, ils vont se réconcilier. Allez, embrassez-vous. J'en ai ras le bol. Tu es toujours collé à ce machin. Ce machin, comme tu dis, c'est mon travail. Ah oui? Moi aussi, je Attendez, je vais tenter un truc. Et voilà, terminez les disputes. Normal, tu les as asphyxiés. Ça va, je te dis. Ça sert à rien, mais merci d'avoir essayé, c'est gentil. Elle a raison, rien à faire, on ne peut pas les aider. Ce sont des histoires d'adultes. Hey, attendez une minute, j'ai regardé ce super film d'action l'autre jour. Je vous raconte, c'était l'histoire d'une famille qui devait survivre à ce méga tremblement de terre. Et pour ça, il fallait qu'ils soient super unis. Et à la fin, les parents qui se disputaient, ils se réconciliaient. Ce genre de truc, ça n'arrive que dans les films. Peut-être, mais on peut essayer. Super, moi je fais le tremblement de terre. Ok, tout le monde est prêt? N'oubliez pas, on veut seulement leur faire un peu peur. Greg, à toi de jouer! Méga proue du tonnerre! Et comme d'habitude, le frigo est vide. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Tu n'as qu'à faire les courses pour changer. Ça te donnera peut-être des idées. Vas-y, je te tiens.
prêt. Stop! Tu peux arrêter, Greg. Oh, ma chérie. On a tellement eu peur. Mais vous m'avez sauvés, tous les deux. Ça fait du bien quand vos disputes s'arrêtent. Tu as raison, Marie. On devrait faire la paix. Je te promets de faire un effort. Bon, d'accord. Et je vais essayer d'être moins souvent sur ton dos. Fantastique. Et ce soir, c'est moi qui fais la cuisine. Ça dépend. Tu comptes refaire tes fameux spaghettis à la fraise? Et voici les résultats de votre contrôle de maths. Richard, 20 sur 20, comme d'habitude. Greg, 14 sur 20, pas mal. Désolée, mesdames, c'est trop d'émotion d'avoir une bonne note en maths. Et Marie, je t'ai mis 18 sur 20. C'est un très bon devoir, vraiment, je te félicite. Mais comment as-tu fait ça? C'est grâce à ce super film d'action, ça m'a bien servi. Tu sais quoi? Mes parents ne sont pas si mauvais en maths quand ils veulent bien arrêter de se disputer pour m'aider tous les deux. On a pris une grande décision, Olivier. On déménage. Mon nouveau travail est vraiment très loin, tu sais. En bus, ça me prend des heures d'y aller. J'ai pas envie de changer d'école, moi. Je sais, ça va être dur. Mais tu n'es plus aussi timide qu'avant. Tu te feras très vite des tas de nouveaux amis. Loin, ton nouveau quartier? Oui, il est loin. Il est à l'autre bout de la ville. Tiens, Zoé, c'est pour toi. Je te le donne parce que je voudrais que tu m'oublies pas. Je te le promets. C'est trop affreux! Il faut qu'on fasse quelque chose! Oui, c'est terrible de devoir quitter les copains. T'en fais pas, Olivier. Tu ne vas pas partir en exil. Je veux dire... Tu ne vas pas changer d'école. C'est trop tard, Eliette. Il y a déjà des gens qui visitent la maison de mes parents cet après-midi. Il n'est jamais trop tard pour la bande des mini-justiciers. Parole de Super Mini. Si les parents d'Olivier vendent leur maison, ils vont quitter le quartier. Il suffit de s'assurer que personne ne la visite. Oui, pas de vente, pas de déménagement. Ils arrivent. Greg, à toi de jouer. Troisième étage. Marion, vite, les escaliers. J'habite là et j'adore les chats. Pas vous ?
Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive, Marion? C'est Hector, mon petit poisson rose, regardez. Quand j'ai déménagé ici, mon petit poisson rose ne s'est jamais plu dans la maison. On dit poisson rouge, hein. Je suis désolée, Marion, mais on ne savait pas pour Nestor. Hector! Hein? Oh non! Il y a encore des gens qui visitent l'appartement d'Olivier. Tiens tes parents dans la cuisine, on s'occupe du reste. Prout aux torpilles. Ce meuble vient de bouger, non? Les meubles ne bougent pas tout seuls, ma chérie, sauf bien sûr dans les maisons hantées. Chérie. Allez! Marion, tu m'as jamais parlé d'Hector. Il était mignon comment? C'était le plus mignon poisson rose de la Terre. Ce qui se passe avec ces portes. Dis papa, les arcs-en-ciel ils sont faits en quoi? Eh ben, en fait, c'est la lumière qui passe à travers les gouttes de pluie. C'est à cause du spectre lumineux. En tout, il y a cette couleur. Et comment on fait les bébés? Ça leur a pas plu. Papa et moi, on a bien réfléchi à tout ça. Si personne ne veut acheter notre maison, peut-être qu'on doit la garder. Mais, et ton travail? Tu disais que c'était très loin. Oui, mais j'ai pris une décision. Et je pense qu'elle va te plaire. Je m'achète un scooter. Un scooter? Alors je change plus d'école? Oh, tu me le promets? Oh, super! Merci, maman! Un cadeau? Mais c'est pas aujourd'hui mon anniversaire. Oh! Hector! Non, lui, il s'appelle Nestor. Boire une limonade au repère. Il est déjà 18h. Faut que je file, désolé.
C'est encore ses parents qui lui mettent la pression. Il paraît qu'ils sont très sévères. Coucou, maman et papa. Tout va bien, vous savez. J'étais juste avec mes copains. Les vacances sont terminées maintenant, Yvon. Les copains, c'est de temps en temps, le week-end, mais certainement pas 24 heures sur 24. Mais j'avais pas de devoir à faire. Maman. Je te rappelle que ta priorité, c'est l'école, Yvon. Dorénavant, tant que tu ne seras pas le premier de la classe, tu peux tirer un trait sur les sorties en semaine. Quoi? J'ai des bonnes notes, vous avez pas le droit de faire ça. Vous vous amusiez pas, vous, quand vous étiez petit? Non. On était très sérieux et on étudiait tout le temps. Pas vrai, chérie? Oui, bien sûr. Ça suffit maintenant, tu vas aller faire tes devoirs. Bon, ben, moi, il est temps que je file, je suis déjà en retard pour mes livraisons. Petit. Mon camion! Mais j'étais pourtant bien garé devant la maison! Bien fait pour toi! Oh. Hein? On a une drôle de tête. Il y a quelque chose qui va pas? J'ai plus le droit de sortir après l'école en semaine. Comment? Mais pourquoi? Mes parents veulent que je sois premier de la classe. Mais alors, s'ils font vraiment ça, on ne pourra plus jamais se voir. Je veux dire, pendant l'émission des mini-jus, bien sûr. Hé, hey, Yvon, attends-moi. Mes parents, ils m'ont fait le coup l'année dernière. Et tu sais ce que j'ai fait? Oh non, c'est vrai? Que j'ai pas le droit de sortir. Oui, je sais, Yvon, je sais. Mais on a une mission super urgente. On ne pouvait pas y aller sans toi. C'est sûr. Je m'en occupe. Vous, dégagez-nous la route. Je suis là pour vous aider. Suivez mes instructions et tout se passera bien. Prenez à droite. Hein? C'est dingue, je rêve ou quoi? À gauche. À droite. On va rejoindre un endroit moins fréquenté. Super Gadin, Super Prout, Opération Elastico-Réception, bout de la rue. Tiens bon, Nathan, ils vont arriver! T'as réussi! T'es un boss! Génial! Hein? Mais...
Dis, faut qu'on parle tous les deux, Yvon. Maman m'a dit que tu étais sorti sans notre permission. René Loiseau, élève dissipé qui ne pense qu'à chahuter avec ses camarades pendant les cours. Résultat en chute libre. René Loiseau, c'est bien toi, papa. T'as trouvé ça où? T'inquiète, papa. Ça restera un secret entre nous. J'ai terminé tous mes devoirs d'aujourd'hui. Je peux aller jouer dehors? Oui, tu as le droit de sortir maintenant. Du moment que tes résultats sont bons, c'est tout ce qui compte. C'est pas tout à fait utile que tu sois le premier de la classe. Merci, papa. Je rentrerai pas tard à la maison. Promis. À la bande des mini-justiciers à nouveau réunis. Ouais, c'est top. Mon poupi. Mon poupinou, il est coincé en haut d'un réverbère. Il faut l'aider. Un champion, vous savez, le trophée du plus beau bébé, c'est moi qui l'ai gagné. Stop! Ça suffit, il faut pas pousser comme ça. Hey, et moi, mon premier poème, je l'ai écrit quand j'avais 5 ans, vous vous rendez compte? Ah, les patineurs, ce sont des vrais équilibristes. Quelle énergie! Ah oui! Ouais. Sauf que depuis que ma sœur est championne de patin, on parle plus que d'elle. Anna... Oh. C'est comme si moi, j'existais plus. Hé, hey, dis, tu pourrais pas lui demander un autographe pour moi? Non, d'accord, c'est pas facile pour toi. Mais on va quand même pas l'empêcher d'avoir du succès. Et pourquoi tu n'en fais pas avec elle? Oui, un duo. Comme ça, tu serais une vedette, toi aussi. Vous croyez que ça peut marcher? Y a un petit problème. Je sais pas vraiment patiner. On va commencer doucement. La tornade blanche, par exemple. Regarde. À toi de jouer, Étienne. Mais la gamelle, c'est pas obligatoire. Eh ben, pour le mini-duo de champion, il va y avoir encore du travail. Qu'est-ce que vous imaginez? Regardez comme il est habillé. Les patineuses, elles ont des super tenues. C'est pour ça qu'elles patinent aussi bien. Je crois que j'ai ce qu'il nous faut. C'est vraiment bizarre. Mon père, quand il le porte, ça fait pas comme ça. Petit. Oh, alors, vous aimez, hein? C'est bien mieux comme ça. Un vrai champion. Ok, le problème vient pas du costume. Super vue, rayon X. Étienne a les genoux cagneux. Il ne risque pas de s'en sortir. Les genoux quoi? Les genoux cagneux. Il a les genoux tordus, quoi. C'est un terme médical. Ce n'est pas un problème très grave, mais c'est une gêne pour tout ce qui touche à l'équilibre et l'élan. L'élan, hein? Je vais lui en donner. Oula, j'ai dû y aller un peu fort. C'est fichu. Même avec votre aide, je suis nulle en patinage, c'est tout. Plus personne s'intéressera jamais à moi. Hé, hey, Étienne, attends, j'ai trouvé la solution. En fait, il faut compter les...
Pas question. Tu nous prends pour qui? On n'est pas des voleurs. Oh là, tu crois que ça va marcher, notre plan, toi? Mais je vous assure, c'est un reportage extraordinaire. Vous deviendrez célèbre. Vous avez juste à me suivre. Mais bien sûr, tu nous laisses maintenant, s'il te plaît. On ne s'amuse pas, on travaille, nous. Je vous l'ai demandé gentiment, pourtant. Bien joué, super pleurnichard. Petit, petit, petit. Super, tout le monde est prêt? Attention, moteur, action! Chers téléspectateurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans mon émission. Les stars d'aujourd'hui, invité spécial, moi! Et aussi un reportage exclusif présenté par moi sur une grande championne de patins. Mais c'est Étienne! Par amitié, elle a accepté de nous offrir un show exclusif pour tous ses fans. Faut nous rendre notre matériel, les enfants! Coupez! C'est la cata! Les journalistes, ils vont tout faire rater! Il faut faire quelque chose! Pachi, pachi, pachi! Et c'est avec beaucoup d'émotion que moi, je présenterai ce spectacle. Rejoignez-nous et venez applaudir notre super championne, Anna! Grâce à moi, vous allez voir de l'exceptionnel, du féerique, de l'incroyable, la grâce de la danse et l'excellence du patinage artistique. Regardez, c'est Étienne et sa grande sœur. C'est notre boss. On va se faire incendier. Tu sais quoi, l'audience a explosé. Le patron a appelé pour nous féliciter pour notre émission. Il dit qu'on a eu un sacré coup de génie en présentant ça. Toute la ville est en train de regarder en direct. C'est dans la boîte. Bien joué. Quel spectacle. Vous êtes vraiment parfait avec ta sœur sur cette photo. Pose nickel, coiffure de star, sourire éclatant. Eh ben ouais, on est comme ça, nous, dans la famille. Merci, la bande des mini-justiciers. Sans votre aide, j'aurais jamais pu y arriver. Et surtout toi, Nathan, je te dois un grand merci. Tu es le meilleur. Me remercie pas, ça valait le coup. Grâce à toi, j'ai eu un autographe de la super Anna. Un autographe d'Anna? Et moi, je compte pour du pipi de chat? Tu veux pas mon autographe à moi? Regarde, tu sais le faire, celui-ci. Et celui-là, alors? Ce serait une bonne idée de les faire, non? J'ai quelque chose à te dire, Blaise. Bon, alors, voilà. C'est au sujet de la pâtisserie. Les affaires ne vont pas très bien et les clients ne sont pas assez nombreux. Hein? Quoi? Mais tes gâteaux sont super bons. Je sais bien, mais la boutique est trop à l'écart de la grande rue. Je dois fermer définitivement la pâtisserie. Mais on va s'en sortir, tu verras, mon grand. Bonne nuit. Mais c'est impossible! C'est mon endroit préféré en ville! Ah oui, vraiment. J'aurais parié que c'était la bibliothèque. J'aurais dit le musée! Et en plus, tu manges jamais de gâteau à la cantine! Certes, mais il y a gâteau et gâteau! La tarte aux pommes du papa de Blaise, elle est spéciale!
J'en suis persuadée, si les gens la goûtent, ils vont revenir en manger. Il ne sera pas obligé de fermer boutique. J'imagine que tu as un mini plan dans un coin de ta tête. Invitation, préparation, dégustation. Oh. Voilà le livre de recettes de papa. Alors, pour la garniture, il faut des pommes, pour la pâte à tarte, farine, eau, sucre en poudre et... un ingrédient secret, mais oui! Sans l'ingrédient secret de mon papa, impossible de réussir la tarte. Eh bien, l'émission impossible, c'est la spécialité de la bande des mini-justiciers, pas vrai les gars? Blaise et moi, on s'occupe de trouver l'ingrédient secret de la pâte. Nous, on va trouver les pommes. Ok, il est pile 3 heures et le goûter est à 5 heures. Ça veut dire qu'on a 2 heures. Prêt? C'est parti! Elasto, panier! On commence par une goutte de miel. Avec 3 gouttes d'eau de fleur d'oranger. C'est pas bon. Juste une goutte. Si seulement on avait un échantillon de sa tarte sous la main. Peut-être qu'il en reste un peu dans la réserve. Des noisettes, bien sûr. C'est ça l'ingrédient secret. Mais on n'a pas de noisettes. Il y en a dans le parc, je vais en chercher. Hein? Hey, mais... Il ne reste plus que 40 minutes. C'est pas vrai, qu'est-ce qu'il fabrique? Les gars, là on a un problème. Oh non, le four est trop petit, la tarte ne rentre pas. Alors, pas le choix. Petit, petit, petit. Elle a l'air super bonne cette tarte aux pommes. On va tout ranger, va chercher ton papa. Je comprends pas. Elle devrait avoir retrouvé sa taille normale. Vous les entendez? Ils sont dithyrambiques. Enfin, ça leur plaît beaucoup. C'est toi qui l'as faite, Blaise? Oui, mais j'étais pas tout seul. Mes amis m'ont filé un coup de main. Oh, je n'en reviens pas. C'est exactement ma recette. Avec tous ces nouveaux clients, Blaise, notre pâtisserie est sauvée! Salut la bande des mini-justiciers, je vous apporte notre nouvelle spécialité.
Waouh, c'est incroyable! Vous avez respecté la taille d'Yvon, je vois. Et vous avez fait des larmes en sucre à Marion. Et pour Greg, il manque que l'odeur, pas vrai, Eliette? Je vais la prendre pour Marion. Je suis sûre qu'elle va adorer. Moi, je trouve rien pour mon fils. Le pauvre, il est tellement maladroit. Retenant, chérie, essaie de faire un peu attention. Nous avons tous nos petits défauts. Moi, ma fille est tellement émotive. Oh, elle doit tenir de sa maman. C'est la bande des mini-justiciers. Hourra, ils sont vraiment trop forts. Ils sont surtout totalement inconscients. Si j'étais leur parent, je serais morte d'inquiétude. En tout cas, on est arrivé juste à temps. Marion? Oh non! Ma mère, vite! Faut qu'on file d'ici. Route au camouflage. Voilà. Tu étais où cet après-midi? J'étais avec Eliette. On révisait l'interro de Géo. Ouf! Oh, quel soulagement, merci. Je veux dire, c'est une très bonne idée. Qu'est-ce que tu as sur le visage? On dirait des traces de suie. Oh, ce truc, c'est rien en fait. J'ai aidé le père d'Eliette à faire du feu dans la cheminée tout à l'heure. Dis, tu ne ferais pas partie de cette bande de mini-justiciers? Oh. Je suis sûre que ma mère se doute de quelque chose. C'est très embêtant. Si nos parents découvrent notre identité secrète, ce sera la fin de la bande des mini-justiciers. Ils s'inquiéteraient trop, c'est sûr. Moi, s'ils savaient, ils m'enfermeraient jusqu'à ce que je sois grand. Ça, c'est certain. Tu risquerais de jamais sortir, alors. Oh, comment je vais faire pour venir en mission? Je connais ma mère. Elle va plus me lâcher d'une semelle. T'inquiète pas. On va t'aider à protéger ton secret, nous. Hein? On a besoin de toi, Ozo. Un bébé éléphant vient de s'échapper. Marion! Ma mère arrive. Tout va bien, Marion? J'ai cru avoir entendu un bruit bizarre. Faut que je file. Eliette m'attend. On doit réviser ensemble. Ta mère est encore plus collante que les sucettes de Lucien. Je sais bien. Et elle ne va pas en rester là. Il vaudrait mieux que je quitte la bande. C'est la meilleure chose à faire. Quoi? Mais tu peux pas. Tu sais que t'es irremplaçable. Enfin, dans notre équipe.
Mario est irremplaçable? Mais non, justement. C'est ça, on va te remplacer. Enfin, exceptionnellement seulement. J'ai un plan. Au secours! Il y a quelqu'un! À l'aide! Oh non! Oh, il va se faire écraser! Regarde, maman! C'est super au fleur, secours. Richard! Oh non! C'est trop injuste! Tiens bon! Je vais te sauver! Super tornade! Ouais! Trop forte, cette super planichère! Elle vient de sauver Antonin! Oh, quel soulagement! Pendant un moment, j'ai cru que tu étais cette mini-justicière vêtue de rose. Allez, viens! Je vais t'offrir une glace pour fêter ça! On a réussi! Vous avez vu? Cette fois, j'ai pas fait de bêtises! On est sauvés! Mais les freins de sécurité vont pas tenir très longtemps! Antonin! On est bloqué à l'intérieur! Va chercher Mario! Elle n'a pas pu aller bien loin! Oh zut! Désolée, madame, je suis vraiment trop maladroit. Allez, ce n'est rien. Je vais aller nettoyer ma robe aux toilettes immédiatement. Vite, Marion! La bande des mini-justiciers est en danger! Ils ont besoin de toi! Si jamais les freins lâchent, je veux que vous sachiez, les amis, que je vous aime. Attends une minute! Inutile d'être aussi pessimiste, voyons. Je suis sûre que Marion va arriver très vite. Tu nous as sauvé la vie! Merci, Yvon! Mais vous devriez remercier Antonin. Sans son aide, ma mère ne m'aurait pas... Oh! Maman! Alors, dis-moi, tu as choisi le parfum de ta glace, chérie? Oui, et j'ai aussi invité quelques amis à nous rejoindre. Oh! Une petite minute, Antonin, je suis occupé, là, tu vois. Une superbe nouvelle pièce pour ma collection. Tu sais, papa, tous mes copains sont déjà allés voir leur papa à leur travail. Pourquoi pas moi? Oh? Oh, oui! Ah! Antonin! Non! Tu comprends maintenant pourquoi je ne t'emmène pas? Je suis désolée, papa. J'ai pas fait exprès de tout casser. Ah, je sais bien, Antonin. Mais tu dois comprendre que c'est beaucoup trop risqué de t'emmener à mon travail. Moi, je veux juste bien faire, mais à chaque fois, ça tourne à la catastrophe. Oh, et c'est pour ça qu'il me fait pas confiance. Je comprends ce que tu veux dire, Antonin. Il faut qu'on fasse quelque chose pour arranger ça. Ben oui, mais comment? En montrant à ton papa que tu es capable de ne pas faire de catastrophe. Comme ça, il t'emmènera au travail avec lui. Tu pourrais réparer son bateau? Non, je ne suis pas capable de le faire, c'est dur. Quand je vous dis qu'il est cassé, en fait, je l'ai vraiment détruit. On trouve un bateau abandonné, on le fait ressembler à la maquette de ton père, ils vont le réduire et le tour est joué.
Ton plan est bien, Nathan, mais tu sais que le pouvoir d'Yvon ne dure pas. Oui, mais le père d'Antonin verra que son fils l'a vite réparé. Ça va nous faire gagner du temps. Pour construire une toute nouvelle maquette. Mille milliards de mille sabords. Il est vraiment parfaitement réparé. On dirait que c'est le même. Tu as fait du bon travail. Je suis tellement fier de toi, mon petit bonhomme. Alors, tu m'emmènes à ton travail, hein? Dis, papa. Oui, bon, tu as gagné. Je vais t'emmener avec moi. Mais tu dois me promettre d'être prudent. Je ne veux pas de catastrophe. Mission accomplie. Bon, faudrait pas trop traîner non plus. On a une maquette à fabriquer. La bande des mini justiciers, venez vite. C'est la panique dans la ville. On dirait que toute la ville s'est mise à fonctionner sur du courant chaotique. Chaotique quoi? L'électricité est irrégulière. Quelque chose ne tourne pas rond. C'est la centrale électrique de la ville. Mais c'est pas là que travaille le père d'Antonin? Qu'est-ce que tu as fait, Antonin? Ouvre tout de suite cette porte! Papa, je te jure que j'ai pas fait exprès de renverser mon jus d'orange, c'est pas de ma faute, faut me croire! Ah! Eh ben, on dirait que c'est vraiment en train de chauffer là-dedans. Il faut évacuer la surcharge électrostatique de la centrale, sinon tout risque d'exploser. Hein? Tu peux traduire, Elliot? C'est très simple, à cause de l'accumulation thermostatique... Ah! Bon, pas le temps de vous expliquer. Faites ce que je vous dis ou la centrale sera détruite. Yvon, tu débranches tes câbles. Toi, Marion, tu fais apparaître un gros nuage au-dessus des générateurs. Petit, petit, petit. C'est un code avec des chiffres et des lettres. Il va falloir un peu de temps pour le trouver. Regarde, le bouton vert. Appuie dessus, Antonin. Il active les circuits de refroidissement d'urgence. Mais c'est lequel? C'est pas vrai. Ok, bon, piston, ne t'en fais pas. On va faire autrement. Écoute-moi bien attentivement. Il faut que tu appuies sur le bouton jaune au milieu, puis le bouton vert à droite et le bouton rouge au centre. Non, laisse-lui le temps. J'ai confiance, il va réussir. Faut espérer, sinon tout va exploser. Appuie sur le bouton rouge à droite et abaisse la manette. Ouf! Eh ben, on l'a échappé belle! Je suis vraiment désolée, papa. J'ai encore gaffé, on dirait. Oui, en effet. Mais tu t'en es sorti, pour finir. On a évité une catastrophe monumentale. Et c'est ça, le plus important. Tu sais, papa, il est intéressant ton travail. Mais je crois que j'ai pas envie de revenir tout de suite. Oh non! On a complètement oublié le bateau! Il a dû reprendre sa taille normale! Je ne veux pas voir ça! Un vrai bateau! Quelle joie! J'ai toujours rêvé d'en avoir un! Ah!
Toi, Zoé, pour devenir championne, c'est la clé. Ce qui m'a manqué quand j'étais petit, c'est que je n'avais pas de volonté. Mais toi, tu seras la meilleure. S'il te plaît, je m'entraîne depuis des heures et ça suffit. Maintenant, j'en ai marre. Tu dois gagner la compétition de ce week-end. Allez, du nerf. Tu devrais changer de sport, sinon tu vas finir par embrocher quelqu'un. C'était une superbe audition de piano. Je suis très fier de toi, mon grand. Hé, Zoé, tu sais quoi? C'est moi le premier de la classe tout ce trimestre. Mon père est si content de moi qu'il va m'acheter mon VTT. Bienvenue, mesdames et messieurs. J'ai le plaisir de vous annoncer l'ouverture de la compétition de tir à l'arc. Nous commençons par les tours de qualification. Inutile de vous fatiguer. Je vais vous mettre une raclée monumentale. Martin, toi aussi tu savais que Zoé faisait cette compétition ? Bah oui, pourquoi tu crois que j'ai pris un balai comme bouclier ? Zoé est attendue sur le stand de tir. Je répète, nous attendons Zoé. Zoé n'est pas là. C'est drôlement bizarre. C'est pas son genre. C'est une compétition très importante pour elle. Je l'ai vu s'entraîner hier. Son père lui crie dessus tout le temps. Oh, ce qu'il veut, c'est qu'elle devienne une championne. Est-ce que l'un d'entre vous a vu Zoé ? On était sur le point de partir. Je comprends pas, elle est introuvable. Dernier appel pour Zoé. Zoé est attendue au stand de tir. Ah, elle n'est pas là. On y va sans elle. Ne vous en faites pas pour Zoé. On la retrouvera. Hein ? On nous dit que les filles sont plus soigneuses que les garçons. Vu le bazar dans la chambre de Zoé, c'est difficile à croire. Peut-être qu'elle a décidé de fuguer de chez elle. Quoi ? Fuguer ? Son père lui a trop mis la pression. Alors, elle a fait une fugue. Mes parents sont toujours sur mon dos avec mes notes. Et croyez-moi, il y a des moments où j'aimerais bien aller vivre sur une autre planète. D'accord, admettons. Mais alors, elle est allée où ? Quelqu'un a une idée ? J'ai vu un truc au-dessus de son armoire. Je pense que Zoé a une passion secrète pour les animaux. Et je parie qu'elle n'en a jamais parlé à son père. Tout ce qu'il veut, c'est qu'elle devienne championne de tir à l'arc. En suivant cette piste, on peut trouver où elle se cache quand elle est triste. Elle est au zoo. Si tu tombes, ils vont te dévorer! Laissez-moi tranquille! Si vous approchez, je vais sauter! Zoé, on sait que ton père veut que tu deviennes une championne de tir à l'arc, mais c'est pas une raison pour risquer ta vie! Zoé? Oh, la compétition a déjà commencé! Vite! Descends ou tu vas rater ton tour! Non, je veux pas venir! J'en ai marre du tir à l'arc! Et en plus, ça sert à rien!
je suis vraiment super nulle, tu l'as dit toi-même. C'est faux, tu n'es pas nulle. Tu manques juste de concentration. Bon, allez, descends. Hop. Mais si, je suis archi nulle, tu le sais. De toute façon, je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est être soigneuse d'animaux. Hein? Une soigneuse de quoi? Voilà autre chose. Zoé, tu descends tout de suite ou c'est moi qui viens te chercher. Je t'aurais prévenu. Sortir d'ici. Greg, dépêche-toi. Petit, petit, petit. Ne faites pas de mal au tigre. Viens par là, mon grand. J'ai quelque chose pour toi. Tu as seulement faim. Oui, j'ai compris. Tiens. Maintenant, il faudrait vraiment qu'on sorte d'ici, les amis. Je n'ai plus de viande à leur donner, moi. Greg, je suis pas sûre d'avoir assez de force. Tu m'aides? Maintenant. Zoé? Zoé, ma petite fille, tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Zoé est incroyable! Elle a été très courageuse et elle a dompté les tigres! Eh oui! Plutôt que de la forcer à faire un sport qu'elle déteste, vous devriez la laisser s'occuper d'animaux! Elle aime soigner les animaux? Pourquoi pas, si c'est ce qui te plaît? Papa, merci! C'est vraiment génial! Tu es le meilleur! Youhou! Le plus génial de tous les temps, c'est sûr. Dis, tu sais déjà comment tu vas t'habiller, Flore? Je mets ma robe rose. Elle va trop bien avec mes nouvelles baskets. La classe. Et sinon, t'as invité Paco? Il est trop mignon. Et il faut inviter Axel. C'est fait. Par contre, je n'inviterai pas Lily. Je déteste trop son style. C'était la dernière. Maintenant, il ne nous manque plus que les timbres. Il y en a dans le bureau de mon père. Suis-moi. Je les ai trouvés. Qu'est-ce qu'ils sont moches. Ils vont pas du tout avec mes enveloppes. Ça va être horrible. Et c'est là. Ils sont mieux, non? Ils sont trop beaux. Tout le monde va être trop impressionné en recevant mes invitations. Ils ont intérêt à me faire de beaux cadeaux. Oh! Bonjour, j'ai plein de lettres à poster, faites attention. Celle-là, c'est pour ma cousine d'Angleterre. Il faut qu'elle la reçoive à tout prix. Ne t'inquiète pas, je m'en charge personnellement. Eh ben, tes copains ont beaucoup de chance. Ce sont de vrais timbres de collection. Mmh. Ah, Flore, tu n'aurais pas vu mon album de timbres par hasard? Je ne comprends pas, il a disparu. Je l'ai vraiment cherché partout. Dans mon bureau, dans le salon. Oh, si je ne le trouve pas, c'est une catastrophe. Tu sais, ils valent une fortune. Il m'a fallu des années pour avoir une telle collection.
récupère pas le plus vite possible, ça va être la cata. Je serai privée de sortie pour au moins un siècle. Et adieu la fête d'anniversaire aussi. Faut pas t'inquiéter, Flore. On s'occupe de tes timbres. On a résolu des problèmes bien plus graves, tu sais. Tenez, c'est la liste de tous les invités avec leur adresse. Première boîte sur la droite. Deuxième boîte à gauche. Prout aux torpilles. Plus qu'une boîte aux lettres et c'est fini. Ils ont déjà pris le courrier. Non, on a été plus vite que le facteur. La lettre à droite. Merci la bande des mini justiciers, vous me sauvez la vie. Oh, on en a oublié un. Oh non, c'est celui de l'invitation pour ma cousine d'Angleterre. Alors ça veut dire que l'enveloppe attend à l'aéroport. Sortir d'ici. Les amis, je crois qu'il est grand temps de mettre les gaz. Et celui-ci, c'est mon préféré. Il a près de 300 ans, vous imaginez? Merci encore. Franchement, sans vous, je sais pas ce que j'aurais fait. Vous êtes vraiment des super-héros. Comment tu as fait pour prévenir tout le monde sans invitation? J'ai envoyé des emails, c'est vrai. Franchement, le courrier, c'est trop ringard, non? Un email? Pourquoi tu n'y as pas pensé plus tôt, hein? Oh, tchou!
Camille. Je t'ai déjà dit que je ne savais pas. Mais tu pourrais demander au docteur, non? Bien sûr, ma chérie. Mais avec ton papa, nous voulons que ça reste une surprise. Maman, je l'ai senti taper. C'est un garçon, hein? C'est un petit boxeur. Peut-être. Mais les petites filles bougent aussi beaucoup, tu sais. Moi, j'aime pas les surprises. Bonjour. Bonjour madame, je suis la maman de Camille et j'ai quelque chose à vous demander. Vous me paraissez bien petite pour être maman. Hein? Mais je suis pas petite, j'ai presque 7 ans. Soldats, les plus grands magiciens du monde, réponds à toutes vos questions. Soldats, est-ce que je vais avoir un petit frère ou une petite sœur? Avec une petite sœur aussi, tu feras du sport. Et tu pourras jouer à la poupée. Tu pourras lui donner des super conseils de mode. Racine carrée de petits frères divisée par 3 petites sœurs. Je retire 3 tétines. Et voilà. C'est simple, tu as une chance sur 2 d'avoir une petite sœur. Ou sinon un petit frère. Une petite sœur trop chou, ça serait vraiment le top pour Camille. Tu parles. Un petit costaud comme moi, ce serait carrément mieux. C'est une blague? Et on peut savoir pourquoi, petit malin? Parce que les garçons, ça pleurniche pas. Nous, les garçons, on a peur de rien. On est des gros durs. Ouais, enfin, toi, comme garçon, t'es plutôt du genre mini-dur. Elle arrive! Vous me cachez quelque chose, je le sais. C'est pas un monstre horrible au moins? Mais non! Hey, tu sais où est le cabinet du docteur de ta maman? On y est. Avec l'échographie de sa maman, on va enfin savoir si elle attend une petite fille ou un garçon. Parce que tu sais lire une échographie, toi, maintenant? Marion a raison. Tu sais, il faut faire de longues études pour savoir décrypter ce genre de truc. Pas besoin d'être docteur pour repérer un zizi sur une photo, croyez-moi. C'est parti. Bonjour madame. Je sais pas trop ce que j'ai, hein. Je crois que je suis malade, j'ai mal au ventre. Mais ne t'inquiète pas, mon grand garçon, ce n'est sûrement rien de grave. Pour ton brouillard. Ah oui, effectivement. Assieds-toi. Le docteur sera de retour dans une minute. Eliette, tu vas surveiller le docteur pour nous dire quand il revient. Viens, Marion, on va fouiller tout le bureau. Nathan, ouvre-nous les casiers. Et l'assaut digitoclic. Petit. Je vais la trouver avant toi. T'as aucune chance. Les garçons sont plus rapides et nous, on est plus modestes. Vous pouvez pas arrêter de vous disputer. Le docteur peut revenir n'importe quand. Alors, mon petit, c'est toi qui as mal au ventre? Eh non, moi, monsieur, je pète la forme. Hop. Prout, paralysant. Ouh, c'est pas l'impression que tu me donnes. Allez, viens avec moi, on va t'examiner. Gagné! On dirait que j'ai trouvé ce que tu cherchais. Ouais, tu as surtout eu un gros coup de chance. Le docteur! Nathan, bloque la porte!
Faut gagner du temps pour sortir de là. Elasto, bloque tout. Si on se fait prendre, mes parents vont me priver de bibliothèque pendant au moins un an, c'est affreux. Attends, j'ai une idée. T'es pressé de savoir, j'imagine. Eh bien, c'est un petit frère. Et aussi une petite sœur. Ta maman attend des jumeaux. Génial, non? Des jumeaux? Wouhou! Merci, les mini-justiciers. Je suis trop contente. Marion, je voulais juste te dire que ce que tu as fait chez le docteur, ben, pour une fille, c'était... c'était aussi bien qu'un garçon. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que j'aurais pas fait mieux. Enfin, voilà. Dis, tu me pardonnes? Tiens, il y a quelqu'un qui me parle, là. Et oh, il y a quelqu'un? Équipage, préparez-vous à larguer le premier étage. Paco, je sais que tu rêves de devenir astronaute plus tard, mais si tu veux qu'on aille voir le décollage de la fusée comme promis, tâche de te tenir un peu tranquille. Ok, maman. Tu crois qu'on va voir l'équipage? Ce serait génial s'il pouvait m'emmener. Tu sais ce qui serait vraiment génial? Ce serait que tu ranges tout ton bazar. Ce n'est pas une chambre, ça. S'envole en direction des étoiles et de l'espace! En route pour la Lune et la Voie lactée! Planète et trou noir, j'arrive! T'as vu ça, maman? Non, je ne reviendrai pas sur ma décision, Paco. Tu n'iras pas voir la fusée décoller et tu vas te débarrasser de tous ces jouets qui te mettent des idées dangereuses dans la tête. Tu sais, j'imagine qu'elle a fait ça pour te protéger, Paco. Ouais, mais c'est trop génial de voir la Terre depuis là-haut. Bon, bien sûr, tout le monde peut pas s'en rendre compte, mais moi... Ben ouais, mais en attendant, pour moi, c'est fini. Je serai pas astronaute. Hey. Je crois qu'on va pouvoir t'aider. Oh, c'est vrai? Oui, on va te préparer un entraînement sur mesure pour aller dans l'espace. Ah! Alors, c'était comment? Fantastique! 3, 2, 1, décollage! Largage du premier étage de la fusée. Ouais, c'est trop fort. Attention, tout le monde en place. Impact dans 3 secondes. Tu vas bien, Paco? Petit, petit, petit. Merci, les gars. Merci.
Merci beaucoup. Je crois que c'était le plus beau jour de toute ma vie. Grâce à vous. Tiens, tu as mérité ton diplôme d'astronaute. En attendant d'en avoir un vrai plus tard. Et vous avez vu les étoiles qu'il avait dans ses yeux? Il y en avait plus que dans le ciel tout entier. Ouais. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un l'a vu aujourd'hui? Paco? Je l'ai croisé en venant ce matin. Il était dans le bus, celui qui va au centre spatial pour le lancement de la fusée. Il m'a même dit que cette fois, eh ben, il allait partir pour de bon dans les étoiles. Oh non! Il a dû penser que grâce à notre entraînement, il allait pouvoir monter dans une vraie fusée. Faut qu'on l'en empêche. Les amis, vous avez vu ça? C'est pas une mini-fusée. Il est là-bas! Où ça? Vous ne le voyez pas parce qu'il est à l'intérieur de la fusée. Il est dans la soute, juste sous le poste de pilotage. Mais comment on va faire pour le sortir de là? Décollage dans une minute. 59, 58, 57... Marion! Si tu déclenches une tempête, ils seront obligés d'annuler le vol. Une tempête? Va falloir me dire un truc sacrément méchant, les amis. Sans combinaison, Paco n'a aucune chance de survivre dans l'espace. Il va geler, il deviendra bleu et il explosera. C'est trop horrible! Coupez les moteurs, opération annulée. Vu cet orage, c'est incroyable, regarde! Ouais, t'as réussi! Mesdames, messieurs, l'orage s'éloigne. Le lancement de la fusée peut reprendre. Paco! T'en fais pas, Marion. Tout est sous contrôle. Petit, petit, petit! Ces images sont absolument incroyables, chers téléspectateurs. Nous venons d'assister à un miracle en direct. De mystérieux individus ont évité in extremis une catastrophe. Mais de qui s'agit-il? La bande des mini-justiciers, c'est nous! Elle est trop marrante, ta nouvelle tenue d'astronaute! D'astronaute? Ah non, ça c'est fini! Trop flippant comme truc! Non, j'ai découvert ma vraie passion! Explorer les fonds sous-marins! Maintenant, mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter le prout au robot. Ça vaut rien comparé à mon robot Megazord. Regardez. C'est pas la taille qui compte, Yvon. Admirez l'Elastonator. Le style, y a que ça
est à la pointe de la mode. Hey, Igor, comment il est le tien de robot? J'en ai pas encore, mais le mien sera le plus fort de tous. Un robot carrément énorme. Mes parents vont me l'offrir pour mon anniversaire. Mais attends, c'est dans une semaine ton anniversaire. Et le tournoi de robots, c'est demain. Comment tu vas faire, Igor? J'ai un plan, mes parents achètent toujours mes cadeaux en avance et je sais très bien où ils les cachent. Et demain, mon robot, il va gagner le tournoi en moins de 2. Vous allez rien comprendre à ce qui vous arrive. Oh, j'ai très envie de voir ça, Igor. Ça va être trop cool. Oh zut, je vais être en retard à mon cours de danse. Faut que je file. Salut. Igor, est-ce que je pourrais venir le voir tout à l'heure, ton nouveau robot, s'il te plaît? Ouah, un livre de bricolage! Mais c'est trop nul! J'ai jamais demandé ce machin, moi! Je vais pas pouvoir participer au tournoi! Sophia va m'en vouloir! Il faut faire quelque chose! Igor a disparu! Je suis allée chez lui pour voir son robot, mais en arrivant, j'ai découvert qu'il n'était pas là! Il est peut-être juste parti prendre l'air et il a oublié l'heure! Oui, Nathan a raison! On sait pas et on intervient que dans les situations d'urgence! Sinon, on n'aurait plus une minute à nous, tu comprends? Non, attendez, c'est vous qui comprenez pas! Je connais bien Igor et disparaître comme ça sans prévenir, ça lui ressemble pas! On peut toujours aller vérifier, ça coûte rien! Aucune trace d'Igor. Et vous alors, vous l'avez vu? Dans le quartier non plus, personne ne l'a... Oh, oh! Dites-moi que c'est pas ce que je crois, les amis. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il s'agit bel et bien de la morve d'Igor. Ça nous fait une piste. Tu parles d'une bonne nouvelle, toi. Il ne nous reste qu'à suivre les traces de morve. Et ça devrait nous conduire à Igor. En route! Avec toutes ces pièces détachées, je vais me fabriquer le plus cool des robots. Et en plus, il pourra même se transformer en voiture. Trop bien! C'est exactement ce qu'il me faut. Oh, oh, je le sens mal, là. De la morve partout, mais toujours pas de traces d'Igor. Je propose qu'on lâche cette mission super nulle et courant. Hé, attention! Au-dessus de ta tête, Yvon! On ne va pas abandonner maintenant! Regardez, il est là! Oh,
sûr qu'il va fonctionner. T'en fais pas, on n'a pas eu beaucoup de temps pour le construire, mais il est absolument indestructible. Oh, oh, bon. Salut Igor, comment tu vas? Désolée, je suis en retard. Dis, j'ai pas raté ton robot au moins. Mon robot s'est fait battre en moins de deux. Je n'ai jamais rien vu d'aussi minable. Je suis vraiment trop nul. C'est pas ta faute. C'est le robot qui a perdu, mais c'est pas toi. Tiens, je t'ai apporté un cadeau d'anniversaire. C'est gentil. Et tu t'en es rappelé, Sophia? Merci. Mais c'est dans une semaine. Oh, c'est pas grave. Pour une fois que je ne suis pas en retard. Non, j'ai complètement oublié de livrer une grosse commande à monsieur de tout court. Et avec tout ce qu'il a pris, il va falloir qu'on y aille tous les deux. Je peux pas tout porter. Mais on ne peut pas fermer le magasin aujourd'hui. Le carnaval se prépare. Attends une seconde. Jérôme connaît chaque recoin du magasin. On sera pas parti longtemps. Tu crois que tu peux t'en occuper tout seul, fiston? Bien sûr, papa. Il va falloir que tu sois bien sage et on se retrouve à la parade tout à l'heure, d'accord? Oui, tout ira bien, promis. Salut Jérôme! Salut! Waouh! Ça, c'est trop cool! Dis Jérôme, je peux te l'emprunter? Oui, bien sûr! Oh! Ah oui, et ces canines de vampire, moi aussi je peux les prendre. Oui, bien entendu. Moi je vais prendre ces moustaches. Je fais peur, hein. La parade va être vraiment géniale cette année. Merci Jérôme. Allô? Oh, bonjour monsieur le maire. Oui. Oui, 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 bien sûr, oui, aucun problème. Oh! Et ils ont tout pris. Qu'est-ce que je veux dire à mes parents? Ils ont vraiment abusé, là. Tout le monde sait que tu ne sais pas dire non. Ah oui? On va tout ramener au magasin avant le retour de tes parents, sois tranquille. Merci, mais il y a autre chose. Le maire a appelé. La statue en guimauve pour le bouquet final a fondu. Alors il m'a demandé de lui livrer un canon à confetti pour la parade. Mais on a seulement 2 heures devant nous. Un canon à confetti? Nathan, Marion et moi, on va récupérer toutes les farces et attrapes. Greg et Yvon? On va chercher ce qu'il faut pour fabriquer un canon à confetti. Là, Edouard, Charles et Jimmy. Oh. Ah. Petit. Ah!
attention, je vais te croquer. Réussi à tout récupérer. Et pour le canon? Le voilà. Mais il est entièrement démonté. Exact. Il nous reste 19 minutes et 35 secondes pour le construire. Jérôme, mais qu'est-ce que tu fais sur ce char? On l'a construit avec des copains pour la parade. Bravo! Vraiment félicitations, je ne m'attendais pas à un tel résultat, vous savez. Grâce à vous, cette édition du carnaval est spectaculaire et extrêmement originale. C'est mieux que tout ce qu'on a pu faire les années précédentes. Regardez cette foule et comme les gens ont l'air joyeux. Je veux que vous me fassiez exactement la même chose pour la grande fête de la ville. Ah non, ça va pas être possible. Et quand je dis non, c'est non. Hey.